Il faut le sentir, l'écouter. Vas-y. Ton âme est la seule qui lui convienne. Tu es le seul qui le fera survivre. La furie des Adou est un mythe. Tarzan. Orphelin de naissance au plus profond de l'Afrique. Il fut élevé par les plus grands singes du continent. Il grandit dans le monde primitif de la jungle, jusqu'au jour où le destin le mit face à face avec son passé. Il occupa sa place légitime de comte de Greystoke, mais il fut rapidement déçu par la civilisation. Il retourna donc en Afrique, et il redevint Tarzan, le seigneur de la jungle. Allez, Tarzan, tu es prêt? Fabuleux! On recommence. Comment est-ce que tu fais ça? Il suffit d'écouter, Temba, attentivement. Il faut sentir le moment. Qu'est-ce qu'il faut écouter au juste? Le caillou. Oui, bien sûr. Oh, 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 oh. Quand tu veux. Tarzan! Chef Calabar? Te revoilà sur la terre de Zadou. Pour bénéficier de ton savoir, pourrais-tu, s'il te plaît, nous accorder une audience demain? Tu sais que tu es un fils de Zadou. Tu es toujours le bienvenu parmi nous. Baktoun? Tu es un guerrier Zadou, maintenant? Absolument pas! Je reste un compagnon de route aujourd'hui. J'accompagne le chef Calabar dans son périple chez les Manoumi, afin que ces deux tribus puissent vivre en harmonie. Tu crois vraiment qu'il nous aidera à trouver les Wagambi? Calabar est un homme bon. Il fait tout pour aider les autres peuples. Tu fais beaucoup, toi aussi. Ton père m'a accueilli à bras ouverts, Temba. Je fais tout ça pour nous deux. Je veux savoir ce qui s'est passé. Attends. Encore une fois, s'il te plaît. Le caillou est muet, Temba. Il faut le sentir, l'écouter. Vas-y. Oh, tu as vu ça, non? Je l'ai senti arriver dans ma main. Une éclipse. Folklore. On dit que celui qui rallumera le soleil sèmera la furie sur toutes ces terres. Les Adous sont au fait des choses les plus étranges. Ils vont lancer des flèches enflammées vers le soleil pour le rallumer. Quand le soleil réapparaîtra, ils cesseront. Il sera trop tard. Ils croiront être des dieux.
Tarzan, tu es un fils de Zadou. L'esprit du mal va s'attaquer à toi. Tarzan, tu ne peux pas ignorer ce danger. Depuis quand crois-tu aux forces des ténèbres, Temba? Ce n'est pas une croyance, c'est déjà arrivé. Mon père m'en avait parlé. Ça vaut la peine de s'en assurer? Pas besoin, je sais que j'ai raison. Alors prouve-le-moi, rendons-nous au village Zadou. Je n'ai rien à prouver, Temba. Bien, dans ce cas, j'irai tout seul. Tu ne peux pas. Parce que tu sais qu'il existe un danger. Allons-y. Non, quoi? Moa Panzi! Temba, tu te rappelles cette meute de hyènes qu'on a vu attaquer une guenon hier? Il faut les séparer. Ça n'est pas toi qu'ils ont attaqué. Ils n'attaquent jamais l'un des leurs. J'aurais dû savoir que tu y étais pour quelque chose. La grande prêtresse d'Opar a à voir avec beaucoup de choses, Tarzan. Malheureusement, ce n'est pas le cas cette fois. La furie des Zadous est une chose qui nous dépasse tous. Moi y compris. Un orphelin devrait faire attention à bien choisir ses amis. Et tu es mon ami, là. Il ne tient qu'à toi, Tarzan, que nous soyons un peu plus que cela. Beaucoup plus. La furie des Zadous est un mythe. Tu crois? T'es-tu jamais demandé pourquoi les animaux qui t'ont élevé ont fui ce petit morceau de brousse? L'esprit du mal s'est à nouveau réveillé. Il commande aux Zadous.
Il leur dit qu'ils sont les maîtres de ces lieux, qu'ils décident de qui doit vivre ou mourir sur ces terres. L'esprit de Calabar est bien trop fort. Et il est plein de bonté. Les forces des ténèbres sont en train de le posséder. Il est déjà perdu, comme tous les siens. Cela ne m'atteint pas. Non, mais tu l'es presque, avoue-le. Les Adous ont soif de meurtre. Ils offrent le sang de leurs victimes pour apaiser l'esprit du mal. Mais l'esprit, lui, réclame une âme forte. Ton âme est la seule qui lui convienne. Tu es celui qui le fera survivre. Pourquoi vous n'avez pas peur de lui? Parce que je vais me mettre en sûreté à Opar. Avec ce que j'aime. Je ne fuirai pas. Oh, je déteste t'entendre parler de la sorte. Il y a 40 décennies de cela, l'esprit du mal avait mené sa furie jusqu'aux frontières du continent. Alors cette fois, il faudra l'en empêcher. Regarde. Elle est charmante, n'est-ce pas? Si je la relâche, elle continuera à vivre sa misérable petite vie de misérable insecte. Mais si elle rejoint les siens, et qu'elle est acceptée dans la nuée, et qu'elle frotte ses ailes à celles des autres, alors elle se transformera d'un coup en l'une des créatures les plus destructrices que la nature ait engendrées. Voilà notre destin. Zadou ou victime? Allons-y, Temba. C'est de la folie, Tarzan. Si tu vas dans cette jungle, tu finiras par devenir exactement comme eux. Pas sans combattre. Tu ne peux pas combattre l'esprit du mal, Tarzan. Repars avec nous. Je ne te parle pas en tant que souveraine, mais comme une femme qui tient à toi. Plus que tu ne le mérites, plus que tu ne le crois. Calabar est mon ami. Ton ami? Et moi alors, qui suis-je pour toi? Un insecte que l'on repousse d'une main? Ne me touche pas! Ton ami est celui qui a introduit l'esprit du mal dans ton âme. Quelle belle preuve d'amitié! En route. Reste là. Temba. N'approche pas. Baktoum, laisse-moi t'aider. Tu es un Zadou. Non. Tu es un ennemi des Manoumi. C'est l'esprit du mal qui a fait tout ça, pas les Zadous. Que s'est-il passé? Je me suis battu. J'en ai abattu deux d'or. Depuis mon enfance, j'ai toujours été bien accueilli par les Zadous. Vous devez fuir. Cachez-vous, avant qu'ils ne vous attaquent. Dans peu de temps, je serai mort. Où est-ce qu'ils sont, Bakhtou? Dis-le, où sont...
sont-ils? Protègent-ils leurs épouses? Ou se cachent-ils vers le gouffre de Nemi? Calabar est allé du côté de Nemi. Repars dans ton village, Temba. Reste-y le temps qu'il faudra. L'esprit du mal prend possession de toi, c'est ça? Personne n'est à l'abri. Je reste avec toi. Calabar. D'accord. Et ensuite? Nous combattrons l'esprit du mal. Oh, avant ou après avoir combattu les Adous? Ils ne nous attaqueront pas. Le trône de Calabar est près du gouffre de Nemi, sur la rivière Tabala. Les terres sacrées. La rivière est proche. Namo Mamona! Ota Nebo! Se rapproche. Rappelle-toi du caillou, Temba. Écoute. Rivière de sang. Dépêche-toi, suis-moi. Allons-y. Ça va? On a réussi! On est sur les terres sacrées. Temba, surtout n'approche pas. Chef Calabar, je suis venu en ami, je ne cherche ni la querelle ni la guerre.
chef Calabar, c'est moi. Le fils de Zadou. Kalu kamen kasel kala. Abra kale po gufrat. Orbison kim kumila. Orbezina la kuli. Ah, ma kiju. Ah, ma siko. Zenzon bakona. Tarza! Sumizon akumenet kto. Ah, kuminegona, osta konza. Onga no zata. Continue de cabater avec nous. Calabar! Essaie de te souvenir! Ma robe. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je ne sais pas, je te le jure. Les guerriers Zadou nous avaient tendu un piège, tu les as prévenus de notre arrivée. Non. J'en crois pas un mot. Au nom de toutes les personnes les plus chères que je possède dans ce bas monde, je te jure que je n'ai pas prévenu le chef Calabar. Il était au courant de notre venue. C'était un piège. J'ai essayé de te mettre en garde, Tarzan. Je suis heureuse que tu sois sain et sauf. Pour l'instant. Une fois que les Zadou auront offert à ces dames pour qu'il accroisse sa puissance, l'esprit du mal viendra te chercher. Et il sera assez fort pour te vaincre. Surtout, ne prends pas son pouvoir à la légère. J'ai déjà senti qu'il tentait de prendre le contrôle de moi. Si je ne le bats pas maintenant, j'en aurai bientôt plus la force. Viens avec moi. Je t'emmène dans mon laboratoire. Jusqu'à présent, aucun homme n'y était jamais entré. Tu es plus fort que tu ne le crois, Tarzan. L'esprit aurait déjà dû prendre le contrôle de ton corps depuis longtemps. Les hommes sont impuissants face à sa furie. Les Zadou croient que tu es l'un des leurs. Mais l'esprit des singes coule dans tes veines. Tu as su combattre et résister à cette force des ténèbres. Les autres ont besoin de ta force.
Ton sang est peut-être le remède. Cela va-t-il calmer les Adous? Leur furie risque d'être à son comble, parce que l'esprit du mal est prêt à enlever ton âme. Mais tu dois te trouver en sa présence quand tu avaleras la potion. Tu es obligé de le laisser pénétrer en toi pour le détruire. Ainsi, la potion pourra le consumer entièrement. Je suis en tête envers toi. Il faut te protéger. Bois ceci, pour être fort et résister à cette furie. Ensemble, tu repars. Nous connaîtrons le bonheur tous les deux. Non. Les Adous ont besoin de moi. Ton cœur me déteste-t-il donc à ce point? Non. Alors pourquoi me faire tant de mal? Qu'ai-je fait pour mériter en retour tant de mépris? Ne vois-tu donc pas que tu comptes pour moi énormément? Cette histoire devra attendre. J'en ai assez de souffrir pour toi. Là ! Tu vois ce que c'est que d'attendre ? Tarzan, homme sage. Écoute-moi, là. Tout ceci n'a aucun sens. Nous devons absolument mettre nos sentiments de côté pour l'instant. Aucune potion n'y changera rien. Alors tu devras mourir en contemplant le gâchis de ton existence. Oh, no.
Allez, dépêchez-vous. Fermez les portes. Lara a promis de s'occuper personnellement du garde, qui laissera cet homme s'échapper. Sauve notre gracieux roi, longue vie à notre roi, Dieu sauve le roi. Fais-le victorieux, heureux et glorieux, fais-le régner très vieux, Dieu sauve le roi. Tu ne peux pas vaincre. Tout le monde peut vaincre. Rejoins-nous. Je n'abandonnerai pas mon âme. Tu es déjà l'un d'entre nous, Tarzan. J'ai été accueilli par les Zadou, pas par l'esprit du mal. Thank you.
Mon âme est à toi, si tu veux la prendre. Non ! Écoute bien la jungle, Tarzan ! Écoute-la ! Temba ! Temba, la bourse ! Calabar. La furie de Zadou. L'esprit du mal t'a guidé. Aujourd'hui est le premier jour de la honte pour mon peuple. Non, chef Calabar. C'est le premier jour de l'espoir. Lukumba. Temba. Tu cherches ton peuple, les Wagambi. Personne dans la jungle ne sait ce qui s'est passé, excepté toi. Je ne m'en souviens pas. Sois patient. Merci. Bienvenue, chef Calabar. Entrez. Nous l'avons retrouvé près de la porte de Ria. Il s'est défendu, mais les gardes l'ont maîtrisé. Tu mens. Tarzan est revenu ici de son propre chef. Il s'est présenté à tes troupes devant les portes d'Opa. Eh oui, mais maîtresse, nous le... Je m'occuperai de toi plus tard, Inge. Laisse-nous. Bien, maîtresse. Comment as-tu su? Pour les gardes, une mère connaît sa progéniture. Le retour du fils prodigue. Alors à quoi est-ce que je dois le plaisir de cette visite impromptue et inopinée? Je voulais te remercier. Ah bon? D'avoir sauvé le continent. Comment oses-tu ainsi te moquer de moi? Les Zadou sont libres. Temba est sauf. Et même ta précieuse Jane n'a pas été déshonorée. Tu as toute ma gratitude, là. Je veux plus. Même en sachant que je ne t'aime pas. Cela changera. Jamais. Tu refuses d'admettre la vérité. Tu sais que tu as envie de moi. Je ne peux pas. Moi, je peux. Ce ne serait pas un authentique amour. Je m'en moque.
Tu mérites mieux que ça, là. Une autre fois. Tarzan! Parfois, je mets mes désirs au-dessus de celui des autres. C'est là l'un de mes privilèges. Mais cette fois, peut-être suis-je aussi une victime de l'esprit du mal. Si tu penses du mal de moi, j'en serai profondément malheureuse. Rassure-toi. Tu seras toujours le bienvenu parmi nous, Tarzan. Même si c'est pour une autre femme que bat ton cœur.